Regardez les amis, c'est joli, hein. Il y a du vent, ça souffle, hein. Putain, il y a une tempête qui se prépare. Voilà pour toutes les filles de la détection. Je vous offre ce parterre de jonquilles sauvages ici dans le département 24, la Dordogne. Nous sommes contents, n'est-ce pas, Nicolas Hulot? Oui, exact, Laurent, on est contents. Effectivement, il y a beaucoup de vent, plus donc on prend des risques. C'est super, on continue nos recherches. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Eh, mais bien sûr, mon ami Hulot, on y va, donc on continue nos recherches. Voilà, donc je peux pas vous faire voir parce que je suis en scaphandre. Je continue, allez. Putain, il y en a qui vont dire qu'il est complètement taré, le. Allez, lol. Allez, bisous à tous, à la prochaine trouvaille. Là, les amis, non, franchement, là, ça craint. Ah, vous voyez mon petit champ, là, de... Voilà. Et ça craint, regardez le temps. Le temps qu'il fait, là, derrière les arbres, je sais pas si vous le voyez, là. Il y a un vent, mais écoutez, c'est terrible, hein. Là, je me suis protégé sur le côté. Et j'ai fait un trou. Je détecte, hein, je continue, hein, tant pis. Je prends des risques, mais tant pis. Alors, voilà, donc... vous voyez, regardez, c'est joli, hein, cette pente et tout, là. Magnifique. Magnifique. Un trou, alors là, j'ai trouvé un truc. Alors, là, les internautes, la détection, ils vont pouvoir chercher. Alors, j'explique. C'est, alors, j'explique, eh bien, il faut le nettoyer déjà un peu quand même. Je sais pas, hein, je sais pas du tout ce que c'est. Et là, avec le vent, j'ai pas... Ah, il y a peut-être même un dessin dessus. C'est quoi ce bordel, là? Enfin voilà, je vous fais voir vite fait comme ça en gros, vous voyez. Alors c'est riveté, c'est pas vissé, il n'y a pas de vis, hein, c'est pas une vis, vous voyez. Regardez, vous êtes comme moi, vous le voyez, des deux côtés. Ah non, l'autre il est fixe. Voilà, l'autre il est fixe. Les deux objets, voilà, sont creux des deux côtés. Alors là, étrange à l'endroit où je suis de trouver ce genre de choses. On pourrait supposer la tête d'un compas d'écolier, mais enfin bon, faut quand même pas pousser. Il n'y a pas eu d'école ici. Non, là, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Je ne sais pas s'il y a un motif dessus. J'en vois pas. À première, je n'en vois pas. Alors moi, quand il y a le vent fou comme ça, ben, je deviens fou aussi un peu. La matière, aucune idée. C'est gris. C'est très lourd. C'est pas de la ferraille, hein. Évidemment, autrement, ça serait rouillé. Donc, ah, si, attendez, là, la vis... La vis, une petite vis, regardez, là, petite vis. Donc je vous laisse chercher, les amis, donc deux pièces identiques sur un machin qui tiennent dessus, à vis, petite vis, donc pas vieux, hein, évidemment. Donc ce n'est pas vieux. Voilà les amis, donc bah, à la prochaine trouvaille, allez, on y va. Voilà les amis, encore un petit trou, et un petit trou, et qu'est-ce qu'on sort? Une petite pièce, et une petite monnaie, bon, allez. Fais la gueule un peu, hein, fais la gueule. Mais voilà. Pas mal. Une belle gueule. Une pièce à trous de 25 centimes. Il y a des grandes chances. Voilà, c'est ça. Ah ouais, elle a pris un pet. Un truc arrondi, on dirait une balle au con qu'elle s'est pris. T'as vu, regarde. T'as vu un peu? Bizarre, hein. Elle s'est pris un coup sur la gueule, hein, quand même. Hein. Oh la pauvre. En 1900... Attendez, je gratte. Et un coup de pète dans la gueule, on sait pas l'année. Voilà, donc voilà, bah, écoutez, on verra à la maison, hein, dans l'eau bouillante, et puis un coup de machin, ça va la redresser. Puis bon, on va lui laisser sa petite marque dessus. Voilà, bah, écoutez, on va continuer. Hein. Vous voyez, je fais ce petit carré, bah, la grotte elle est là. Attendez, que je fasse voir pour encore. Allez, oui, j'aime bien, allez. J'aime bien, ça va la crocotte. Vous voyez la crocotte? Voilà, l'entrée elle est là-bas, là, l'entrée. Elle est dégagée, hein, bah oui. Hein. C'est un peu logique qu'elle soit dégagée vu qu'il a fallu qu'on dégage quand même les pierres. Hein. Donc voilà quoi. Hein. Normal. Bon voilà. Allez, prochaine trouvaille. Bisous tout le monde. Alors et là où coule une rivière. Eh, je profite que le vent soit tombé. Regardez. Alors ça c'est un champ, vous voyez. La grotte elle est là-haut là. C'est le champ contrebas là. Que j'ai toujours pas fini de faire. Un autre champ. Puis là, alors là, une ferme.
une ferme. Hein, voilà. Alors ça, c'est les pruniers, là, pour les gens du Nord ou Bretons, tout ça, c'est les pruniers. Voilà, là, c'est les pruniers. Voilà. Alors vous voyez, déjà à l'époque, pour vous dire quand même qu'ici, c'est vieux, où je suis, c'est très vieux. Je me rapproche, regardez, ce pont, ce pont. C'était... Alors, ce n'est pas juste un pour une rivière, quoi. Hein, c'est pas... Vous voyez, c'est un pont. C'est un pont parce que pour aller d'un champ à un autre, il faut bien quand même qu'il y ait un pont. Là, ils vont pas traverser dans la mer, là, donc ils ont fait un pont. C'est un pont, hein. C'est pas des égouts, quoi. Alors voilà. C'est beau, hein. Attendez, je me rapproche encore. Je me rapproche, je me pète la gueule, quoi. Vous attendez que ça, quoi. Bon, le couillon, va. Voilà un petit moment de solitude avec les écoulements d'eau. Hein, c'est pas les écoulements de chiottes, ça. Ça vient. Il y a un lac là-haut. Enfin bref, avec toute l'eau qui tombe de toute façon. Hein. Enfin voilà les amis. Bon ben écoutez, je continue. Allez, ciao. Bon ben les amis, là je crois que le cours d'eau, je vais le faire là, cet été. Parce qu'il est, il est pas sec l'été, puisqu'il y a un lac. Mais je vais le faire. Hein. Je vais faire les talus. Je vais tout faire. Quoi. Je vais essayer de voir ça, faire ça avec un pote. Parce que alors, je fais le tour, bon, j'ai trouvé, j'ai rebouché le trou là, je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé. Je ne l'ai pas filmé de suite, parce que bon, faut le nettoyer, puis je sais pas, c'est très très lourd. Alors j'ai trouvé là, ici, vous voyez, ça c'est l'autre côté du truc. Bon, pour moi c'est époque romaine, hein. De toute façon, c'est époque romaine, hein, la construction là, de pierre. Donc la pierre chez d'où elle vient de là-haut, hein, où il y a la grotte. Donc ça vient, de toute façon, automatiquement, ça vient d'une hauteur, hein, les pierres, voilà quoi. Donc ici j'ai trouvé ça à 50 cm de profondeur, j'en ai chié. Voilà, ça doit être en laiton ou cuivre, hein. C'est très très lourd. Voilà, je pencherai plus pour du laiton. Ensuite je continue à nettoyer ici là dans le coin là. Voilà, je fais le tour du pont normal, hein, parce que je pense qu'ils ne l'ont pas construit en 5 minutes le bordel là. Et puis là, vous voyez, alors, pellicule de terre que j'ai retiré, ça sonnait dessus. Je dis putain, je dis bizarre. Voilà. Alors je l'ai mis là. Et je sors ça. Voilà, je sors ça. Je n'ai pas nettoyé. Voilà. Alors est-ce que pour une fois, j'aurai de la chance, un truc bien. Bon, elle a pris un pet dans la gueule. Donc c'est normal, vu le caillou, un engin qui a roulé dessus. Toi, c'est sur le beurre. Hein. C'est chier, ouais, elle a pris un beau pet, quoi. Alors, l'avantage, c'est peut-être dans le creux. Donc, à nettoyer, parce que vous voyez, c'est tout vert, c'est tout petit. Ça ressemble à un tournoi, un truc comme ça. Un tournoi, un double tournoi et tout, là. Et voilà. Voilà, un truc, un petit truc, là, quand même. Bah, il y a de l'eau, mais on va pas se faire chier de descendre, j'ai mal au rein. Donc, je pense que vous avez vu le soleil où il est, là. Et je sais pas quelle heure il est, mais enfin, je rentre, moi. Bah oui, attends, faut que je rentre à... Faut que je rentre avant 6h. Bah oui. Alors attends, bouge pas. Ah, je vois rien du tout. Hein. Bon, à chauffer dans l'eau chaude et les coups de pète et on verra plus tard. Si je poste pas, c'est que ce tournoi, machin, bah c'est pas mal quand même, hein, c'est pas grave. Et je continue. Allez, t'as le tout à l'heure. Bah heureux à tous. Alors bah, le pont il est là. Enfin le pont, ouais, le pont, il est là. Alors je suis juste là. Voilà, encore un trou. Carré. Bien comme il faut, j'ai fait le coin là, tout ça, ici, clac, et voilà, paf, j'ai encore tout ça à faire. Et je trouvais ceci. Ça c'est marrant. C'est pété, hein. Ça, je sais pas, il y a un petit trou là, sur le côté là, il y a un petit trou, comme ça, vous voyez. Il dirait, ouais, je sais pas ce que c'est, plus idée. Alors je vais pas trop frotter, je vais voir à la maison et je vous poste ça à la fin de la vidéo comme d'hab, hein. Ok, allez, ciao, ciao.